Yo tout le monde, c'est Wayland, on se retrouve sur No Man's Sky. Alors, je suis retourné en fait au vaisseau pour pouvoir récupérer un petit peu donc, au niveau de la chaleur. Voilà. Donc ensuite, j'ai constaté qu'on pouvait pas encore réparer ça, mais bientôt. Parce qu'il faudrait que je puisse... normalement... Si j'ai bien compris les indications, on devrait pouvoir normalement en transférer ça, exemple, dans mon inventaire à moi. Donc dans mon exo-combinaison. Hop, se mettre ici. Et voilà, on peut fabriquer des produits. Voilà ce que j'avais pas compris au début. Donc il nous faut du fer pour créer donc des feuilles de karité. Voilà. Et du coup, ben voilà, on va pouvoir réparer le propulseur réacteur. Voilà. On a réparé ceci, c'est génial. C'est plutôt cool. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal d'unités depuis la première vidéo. Donc j'étais à 600. Là, je suis monté à 18 100. Tout simplement, pourquoi? Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, quitter la planète, ok, réparer les propulseurs, réparer le propulseur réacteur, alimenter les propulseurs de décollage. Très bien. Ouais, donc il va falloir réparer celui-ci aussi. Donc en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est tout simple. Je peux aller sur Escape, et donc ici, on a tout le listing de ce qu'on a découvert sur la planète. Donc voilà. Et en fait, si vous voyez, on peut renommer et envoyer, ou alors tout simplement envoyer. Donc si on envoie exemple pour une planète, sur un système du moins ça vaut 5000 unités, si on envoie pour une planète ça vaut 2000, et ainsi pour tout le reste ça donne 500, ah non, enfin 5500, 5500, et voilà, donc en fait comme vous pouvez constater les animaux c'est 1500 unités, et tout ce qui est plantes et cailloux c'est 500 unités tout court. Donc c'est comme ça en fait tout simplement en les envoyant, donc je vais vous montrer comment j'ai fait, tout simplement, voilà. Celui-là je peux ou le renommer ou ne pas le renommer, donc j'ai pas envie, hop, et je l'envoie. Et j'ai gagné 500 unités de plus, je suis passé à 18 600. Donc voilà, donc moi celui-là je l'ai renommé la mouche canine, tout simplement parce que ça ressemble à une mouche. Elle a deux gros yeux comme une mouche et c'est un truc on dirait canin un peu. Celui-là je vais pas donner de nom. Et par contre, il faut rester appuyé, c'est vrai. J'ai renommé celui-ci en Gekorn, pour dire guépard en fait. Je ressemble un peu à un guépard. Avec une corne comme une licorne, quoi. Voilà. Ok, c'est nul, je sais, mais c'est pas grave. Allez, donc ici, ça, c'est toutes les étapes du voyage. En fait, ça retrace tout ce qu'on a fait. Donc pour l'instant, j'ai deux ici. Parce que j'ai tué 6 sentinelles. Ok, bon alors. On va continuer à découvrir la planète. Comment ça, c'est faible? C'est pas faible. Hop, on remet, on lance. Oh oh, étape de voyage atteinte. Ce serait pas des nouveaux ça? Lui est là. Réparation du vaisseau, oui, ça j'ai compris. Ah d'accord. Lui il a l'air nouveau, non? C'est le même, sauf qu'il n'y a pas de corne. Ouais, ah non, c'est un nouveau. Donc voilà, un Eluna. Salut. Ouais, tu es pauvre, t'es plutôt joli, toi. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Hop, assis là. Hop, c'est quoi ça? Plus de piratage nécessaire, on n'en a pas. Ah, ça passe. Atlas, on n'en a pas non plus. C'est pas cool. Donc, hop, il n'y a rien ici. On va ressortir notre arme au cas où, c'est quand même mieux. Je pense qu'on va se diriger à... Oh, c'est quoi ça? Véotérate. Quoi? J'ai déjà découvert? Ah ouais, d'accord. On récupère un peu de fer.
ben dis donc, c'est long hein, à récupérer sur ça. On est obligé d'arrêter de tirer pour éviter de surchauffe. Voilà, yes. Alors oui, j'ai des objets à réclamer, je me suis rendu compte, effectivement. Parce que si, comme moi, vous avez pris... vous avez précommandé le jeu, et bien normalement vous avez le droit à au vaisseau. Alors du coup pour le réclamer il faut aller ici. Alors déjà on a la nouvelle bestiole. Bon, et pour l'instant je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Donc on va la laisser. Et on va par contre. Ah non, ben, il n'y a plus rien à envoyer, je croyais. Ok. Alors du coup vous allez dans options, dans activer le contenu supplémentaire. On reste appuyé bien sûr. Activer donc le vaisseau Horizon Omega. Hop, et voilà. Donc, comparer et transférer l'inventaire ou partir, ne pas s'occuper. Donc ça, c'est le nouveau vaisseau qu'on peut obtenir. L'Omega, il est plutôt sympa, plutôt cool. Allez, hop, on le prend. Donc on va voir, ici, il y a 15 emplacements. Bah, le vaisseau actuel, voilà, 15 emplacements. Et le nouveau, c'est 16 emplacements. Ok, donc au niveau arme, il est quand même beaucoup plus puissant. Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Et du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a un plus, un rayon phasique. Ouais, il est 10 fois mieux, quoi. Hop. Parce que comme vous pouvez le constater, il a donc le bouclier déflecteur. Il a tout ça pareil. Il a aussi le canon à photons. Et par contre, il a en plus l'hyperpropulsion. Donc ça, c'est génial. Et le rayon phasique. Alors, ok, c'est clair, on a été précis. On va prendre celui-ci. Transférer les éléments avant. Attention, transférer les éléments. Ah, d'accord. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Hop. On retourne. Je suis trompé. Deux touches. Ah, merci. Transférer objet, c'est X. Yes. Allez, on transfère tout. Ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas, et ça on peut pas. C'est normal. Donc voilà, ça c'est le vaisseau normal que vous avez en début de jeu si vous n'avez pas précommandé. Et après, on va voir, je vais voir celui-ci. Il sera quand même 10 fois mieux. Voilà. Et effectivement, il est là. Donc, comme vous pouvez le constater, il est 10 fois plus joli. Yes, yes, yes. Ça, c'est un sacré vaisseau, ça. Alors, il me faut plus de carbonite. Donc, il va falloir que je regarde dans mon exocombinaison. Ok, je peux pas en envoyer un peu. Non, il y a rien que je peux envoyer. Par contre, il faudrait que je récupère donc 4 places. Donc, je vais récupérer du fer. Hop. Aucun emplacement libre. Comment ça? L'inventaire de la combinaison. Zut. Ah ben, on va peut-être recharger ça. Hop. Technologie rechargée. Ça aussi. On va recharger notre outil. Toc toc. Technologie rechargée. Ok, c'est nickel. Alors, on peut pas améliorer quelque chose? Propulsion de grenade. Non, là on a rien. C'est du plutonium qu'il nous faudrait. Ça, c'est le seul truc. Ok. Oui, j'ai oublié. Hop. Donc, dans le vaisseau. Ah, d'accord, on peut créer des passes. Ok. Ah, on peut installer un refroidissement. La durée du refroidissement du canon photon est sensiblement réduite. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Bon, c'est bien, mais pour l'instant c'est pas ça qu'on veut faire. Donc ça c'est si on veut, ok. Et après en fabriquer, on peut dans... Ah ok, donc en fait la puce de piratage on peut la fabriquer ici, mais il nous faut du plutonium. Ok. Cellule de distorsion, carburant utilisé pour charger l'hyperpropulsion d'un vaisseau. Ok, on n'a pas assez de... On n'a pas du tout d'antimatière, donc ça c'est pas cool.
Et ah, la vapeur électron non plus. Alors moi déjà, il faut que je construise ça. Il faut que j'en construise un autre. Je me suis trompé de touche. Ah! Ah, je suis encore trompé. Excusez-moi, hop. Voilà, c'est cool. Maintenant, on peut pas transférer. Si, on peut transférer ça. Ok, ça c'est cool. Et du coup, voilà. Voilà, on a réparé tout. Maintenant, on va pouvoir aller dans notre exocombinaison. Renvoyer donc un peu tout ce qu'on a récupéré. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Voilà, on a tout transféré. Hop, lui on peut pas. Non. Pas le zinc non plus. Ah si, le zinc si. Ok. Donc en fait c'est... Ah ouais ok, on peut peut-être y mettre beaucoup plus. On peut stocker beaucoup plus 500. Et là on peut stocker... Ah oui, 250, ok. C'est donc pour ça. Très bien. Bon, du coup mon vaisseau est réparé. Si je veux le faire décoller, j'ai tout à fait la possibilité. Mais on va d'abord fouiller bah, tous les points d'intérêt de la planète. Voilà. Hop, je m'excuse. Voilà. Stabilisation du niveau de température. Alors, on va aller vers ce point. Arriver 1h, 1h40. Ah, salut toi. Ah, mais c'est un bébé. Ouais. Des trucs qui est lumineux, qu'est-ce que c'est? Oh allez, un nouveau truc. Ça, c'est plutôt cool. Oh, bouclier maximum, ok, c'est cool. Donc voilà, les trucs qui ont de la lumière comme ça nous redonne du bouclier. Je me souviens plus c'était lesquels qui redonnaient de la vie par contre. Oh! On entend des bruits un peu chelous. Pierre de savoir. Vous avez pris le mot important. Important en week-end. Cool, sympa, intéressant. Pas trop à quoi ça sert, mais c'est cool. Perle de fascination, ça c'est bon ça. Plaque de blindage. Faudrait un passe atlas. Oh. Notre pierre de savoir. Visuel en viking. Cool. Ah non, ça on s'en fout. Pour l'instant, tout ce qu'elle a, je les ai... Ah, pas ce petit truc. Voilà, c'est cool. Ça non, ça compte pas, c'était de pierre. Alors, c'était pas cette touche, c'était celle-ci. Voilà. Donc il me reste encore 1, 2, 3, 4, 4 encore animaux à trouver. 4 animaux du moins. Ah oui, mais parce que je les ai pas envoyés, c'est pour ça. Hop, ça je l'ai envoyé. Enfin, je pense que c'est ça. Alors celui-ci, comment on peut le plaire? Un guézard. Ouais, c'est stylé. Ouais, non, en fait, non, c'est bien. Allez, un guézard.
Ça ressemble à un guépard comme l'autre, sauf que il ressemble plus à un lézard ce coup-ci. Alors oui, c'est cette touche. Ah zut. Voilà. Gazaz. Voilà, on a eu. Ok. Ah d'accord, en fait non, c'était le même, sauf que du coup ça lui a changé son nom. D'accord, en fait c'est la même race. Ouais, c'est ça, c'était exact. Ah non, celui-là il s'appelle Gecko. Alors c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. En fait, vous voyez, si on découvre, si on termine toute la planète, on a 42%. Si on découvre toute la planète, on passe à 175 000 unités. Alors on va dire que ça peut valoir vachement le coup de le faire en fait. Wow wow wow, c'est quoi ça? Ah, en bas il y a un truc intéressant on dirait. Oh, là-bas aussi. Alors déjà, on va essayer d'aller voir là-bas. De l'or. Oh yeah. Hey, regardez. Alors désolé pour un petit freeze. On récupère de l'or, nous. Non, merde, c'est l'or. Oui, d'accord, c'est bon. Donc ici on a un point d'intérêt, après là-bas on en a un autre. Ah. Allez, on va finir par le récupérer entièrement. Oula. Non, ça, 101 qu'on a déjà vu. Alors si on regarde, donc là on est dans notre vaisseau qu'il faut aller ici, et l'or, donc perle de fascination, sphère métallique dorée utilisée afin d'accroître temporairement la puissance de traitement de forme de vie électronique. La conductivité au sein de l'enveloppe d'une entité est fortement accrue, permettant une capacité d'analyse et de recherche plus rapide. Ok. Par contre, ça vaut cher. Donc si ça, si on le vend, ça peut coûter pas mal. Ah ouais, je suis à 40 000 unités. Bon, alors ça c'est comme dans Minecraft, on dirait. Des trucs folles.
Voilà, je pense qu'on a vraiment tout récupéré. Bah là, on va voir ces balises, ces espèces de balises. Nouvelle technologie découverte, rayon phasique. Arme laser et outils d'extraction d'astéroïdes. Ok. La flore qui m'a donné énormément de boucliers. Ah, nouvelle technologie, impact de rayon Sigma. Alors, phasique détruit les vaisseaux et astéroïdes ciblés plus rapidement. Activité activée automatiquement une fois construite dans l'inventaire du vaisseau de l'utilisateur. Oh oh, là-haut. On dirait de l'or encore. Ah ok. Oh. Ah voilà du plutonium. Détection Wikin. Distorsion Wikin. Regarde. D'accord, là c'est du plutonium, c'est cool, mais c'est pas ça. C'était quoi que je voulais faire moi? On peut amplifier notre endurance avec ça. Donc il nous faut du carbone, d'accord. Bon, ça c'est pas compliqué, du carbone on va récupérer ici. Ah, un vaisseau hors de portée, d'accord, il est trop loin, donc on va pas le faire. C'est assez dommage. On va dire qu'il faudrait retourner là-bas pour pouvoir le faire. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que... Avant, je vais essayer d'aller voir, me diriger vers cet endroit là-bas. Aïe. Oh, je me suis fait mal. Platine. Ok, bon c'est cool. On récupère. Ah ah. Voilà, on a trouvé du plutonium, ça c'est cool. Par contre, je sais plus c'était quoi qu'avait besoin de plutonium. C'est ça je crois. Protection thermique. Stabilisation. Ouais. Ouais ouais t'inquiète. Allez. Donc c'est ici. Ouais, intéressant, il y a des trucs là. On y va de suite. Non, ça me restaure ma santé, ça c'est cool. Plutonium, yes. Encore et encore. Ah non, rien à rien trouvé. Ah, tir accéléré tour. Canon à photon, tir à une cadence accrue. Ok, ça c'est cool. Donc c'est des améliorations qu'on peut mettre sur les vaisseaux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oh, c'est... C'est... Ah, il a mal le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ça, tiens? Awanite.
ça au moins je l'ai détruit, je suis tranquille. Ça c'est du fer. Ça c'est du carbone. Ah yes. D'accord, c'était de l'or. Énergie système de survie faible. Alors mon système de survie est faible. On va le recharger. Technologie rechargée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Récupérer du plutonium, ah, fait chier. J'en ai pourtant besoin du plutonium. Technologie rechargée. Et de là, on peut pas le transférer, non, il est hors de portée. Ah, fait chier. Elle est grande cette grotte. Il n'y a pas d'animaux par ici, c'est bizarre. Ah yes. Je pensais l'avoir à... étudier, mais en fait non. Ça non? Bon. Ok, donc ici on a du plutonium encore, on peut pas le récupérer pour le moment. Alors. Une sortie. Ah yes, encore un truc qu'on n'avait pas étudié. Ah, de l'iridium. Donc là on a normalement le vaisseau qui est pas très loin. Il est toujours en portée par contre. C'est bizarre. Aïe.
que en fait j'ai dû faire sur moi. Ah oui. Ah bon, mon arme est déchargée. Bon, bah on va la recharger alors. Ah ben on peut augmenter, améliorer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer B7-ci. Yes. Voilà. Ok. Ça c'est pour tirer, c'est cool. Maintenant il faudrait ça. Ok. Ouais, en fait là c'est comme si j'avais une vraie arme quoi. Fait pour passer en intensiteur, telle est la question. Faut l'enlever comme ça? Je suis pas sûr. J'aimerais bien m'en sortir de cette grotte. On n'a pas moyen de le... Hop. Allez, voilà. Voyage atteinte. Sur le départ, 5000 unités parcourues. Yes, j'ai enfin trouvé la sortie. Alors, lui, je le connais. Salut toi. Alors, donc on va vers le point qui était là-bas. Hop là. Asymétrique, imperturbable, élément. Salut toi. Alors on a un truc ici. Nouvelle machine. Technologie découverte. Nickel. On récupère de la platine. Et là, oh, intéressant. Titanium. Capsule énergétique. Ah, dommage. Très bien, donc il va falloir que je revienne ici.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pour sauvegarder. Désert d'aller. Ok. D'accord, c'est une zone de sauvegarde. Nickel. Protection thermique. Stabilisation. Donc on a trouvé tout ça, c'est cool. Rien faire pour l'instant avec ces trucs. Non, on peut pas. Alors on veut juste aller se rendre à l'espèce de base qu'on avait vue. Ok, en fait, tout ça c'est la grotte quoi. Donc on a découvert cette zone, ça c'est cool. Ah pardon, excuse-moi. C'est pas voulu, je veux pas te faire peur. Ah bah. Allez, nous arrivons donc à cet endroit-là. Cratère de Irène. Ok. Il n'y a pas des humains ? Plus de piratage. Protection thermique. Yes. Ok, c'est cool. On est bien. C'est quoi ça? Analyser technologie multi. Yes, on a découvert une nouvelle technologie. Nickel. D'accord, bon, génial. Merci. Merci, merci pour tous ces crédits. Bon, en tout cas, donc juste pour vous dire, à l'heure actuelle, le jeu était censé être prévu en multijoueur. Pour l'instant, il est toujours pas en multijoueur. Et normalement, ils sont censés le faire passer en multijoueur. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient promis dans les trailers et tout ça. Parce que t'es obligé de tirer chaque fois en fait. Bonjour, Mika. Non. On peut pas interagir. Inventaire plein. D'accord, mon inventaire est plein. Hop, une nouvelle technologie. Ça, c'est bon, ça. Ça s'ouvre, ça s'ouvre pas, non? Bon, bah. Ah! Apparemment, un appel de détresse automatique envoyé il y a bien longtemps n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la séquence d'encryptage, je pourrais potentiellement extraire les données.
Alors, 1, 2, 6, 24, 120. Oula. Non. C'est loupé. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, pensez à partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à plus. Ciao, ciao.